là, on a des forêts de pins, on a des jolis lacs. Là, je suis dépaysé. Trois doigts. Trois doigts, parfait. C'est droit. Hop. On peut descendre. Hop. L'eau ici, elle est rouge. C'est grave bizarre. Regardez. Le petit Jeep, il est là. On va avoir cette vue là pour demain matin. Ah, je suis pressé de me réveiller. Du coup, bah, programme d'aujourd'hui. On va sortir la canne à pêche. On récupère ça. Ah, ça va être cool. Au bord de l'eau. Avec mon petit hamac. Ça commence bien cette journée, les amis. Je voulais me retester, vous voyez, à la canne à pêche. Du coup, j'ai sorti ma petite canne à pêche, je l'ai préparée et je l'ai tendue juste là. Tu vois, elle est bien tendue, hein. Je suis passé au bois le câble. J'ai lancé et je me suis tapé dans le seul nénuphar qui était là. Ouais, la canne à pêche est bloquée. Bon bah du coup j'ai plus qu'à plonger et aller chercher ma ligne parce que j'ai pas envie de la perdre, j'en ai pas beaucoup. Ouais, tu t'attendais peut-être à ce que je sois ce genre de youtubeur qui réussit tout d'un coup, tout du premier coup, parce qu'il est trop fort, qu'il a la classe, super intelligent, super fort et incroyablement séduisant en plus de ça. Mais non, je suis désolé, rien de tout ça. Figure-toi que bah... Je suis très nul en pêche. Mais alors très très nul. Bon, en même temps, pour ma défense, ça fait peut-être depuis l'âge de 5 ou 6 ans que j'ai pas touché une canne à pêche. Après, faut un début à tout, hein. Je suis comme vous, les gars. J'apprends. Et j'apprends aussi de mes erreurs. La prochaine fois, j'essaierai de viser un peu plus à gauche. Ou un peu plus à droite. Tu sais, pour éviter de choper ce nénuphar. Faut vraiment être con quand même pour réussir à choper le seul nénuphar qu'il y a dans le lac. Eh ben vous savez quoi? D'une part, j'ai retrouvé ma ligne. Et en plus de ça, eh ben j'avais piqué une tête parce qu'elle est super bonne. Et on va profiter de ces belles lumières et du coucher de soleil. Comme d'hab, je mettrai les coordonnées du spot en description. Comme ça, bah, si tu veux venir et profiter de ce magnifique petit paysage avec des petites maisons typiques de Suède, et bien tu seras servi, mon ami.
Il faut savoir qu'en Suède, la vente d'alcool est interdite dans les supermarchés. Genre, on a trouvé de la bière, mais de la bière, genre à 3 degrés 5 maximum, 3,5 degrés. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont des boutiques spéciales alcool, donc ça a égayé ma curiosité, voir ce qu'ils ont un peu en vrai alcool, en vraie bière, et pourquoi pas avoir tout simplement la spécialité. Ils ont tout classé par pays, genre Espagne, Sud-Africa, USA, et là, chill, australienne et France. Alcool fort, du Captain. 25 balles la petite bouteille. Tiens, le Jaeger. 28 balles le Jaeger. Ah ouais, c'est cher ici quand même. Par contre, ils n'ont pas de sous-marque. Ça n'existe pas ici la sous-marque. Ils ont que de belles bouteilles. Et là, le plaisir. Le plaisir pour les gros barbus travailleurs. Ah. Il est énorme leur truc de bière. Bon, ils ont beaucoup de canettes ici. Ah, de la bière à plus de 3 degrés. Oh, le plaisir. Ici est cher. Par contre, la bière, les amis. Centimes la canette. Les calculs sont pas bons, Kevin. 9 centimes la canette de bière. C'est archi pas cher. Celle-là. Celle-là valide tout droit dans ma collection. Hop. Parfait. Là, on commence à causer. 10-2. Mais ils ont quand même de la bière un peu élevée quand même. J'ai jamais cru que c'était à 2 grammes. J'aurais dit maximum, je dirais 0,6, 0,7. Bon, on peut pas gagner à tous les coups. Ce soir, on dort sur un parking. J'ai regardé sur Google Maps, le coin il avait l'air cool. Je me suis dit, si c'est comme tous les autres coins, c'est écrit que pendant la période de plage, on peut pas se garer juste au bord de l'eau. Logique, enfin, comme ça les gens ils peuvent se baigner. Et le truc c'est que ils ont mis des cailloux. Et c'est écrit interdit de camper sur la plage. Donc pas que en période de baignade, mais tout le temps. Du coup, bah, avec Brocky, c'est un 4x4, il passe partout, mais il passe pas encore par-dessus les rochers. Bon, je viens d'arriver à la station-service. Bah, c'est plutôt nice. Franchement, c'est plutôt pas mal. Vous avez une petite station-service, regardez, juste là. Il y a un diner de l'autre côté, et là, en fait, on prend. Il y a les toilettes à disposition juste ici. Et du coup, dans les toilettes, vous avez une petite douche là. Et les toilettes là, la petite douche chaude, et ben ça va faire plaisir. Et ben voilà, je suis tout propre. Ah, comme ça, je vous mettrai le lien de l'application si vous la voulez. Et puis moi j'allais me prendre un petit café maintenant, avant de reprendre la route. Si tu veux plus de façons pour voyager propre, en économisant le plus d'argent possible, eh ben, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour suivre les aventures et puis avoir les petites techniques pour voyager tranquille. Parce que bon, souvent sur YouTube, on voit que des beaux paysages, des super spots et tout ça. Mais il n'y a pas que ça dans le road trip. Dans le road trip, il y a aussi comment te nourrir, comment te laver. Donc, je vous avais montré la technique de se laver au bord du lac avec un pichet, tu fais chauffer de l'eau. Ou alors dans les stations comme celle-ci. Et puis après, bah faut chercher le lieu aussi. Parce que trouver un spot incroyable, ça se fait pas comme ça. Et des moments, bah comme tu l'as vu, bah ça se loupe. Donc aujourd'hui, on va direction Sarcelles. Et normalement, ça va être un spot incroyable avec une belle plage. Une grande grande plage. Et en espérant qu'il n'y ait pas grand monde, sinon bah on roulera sur la plage un petit peu. Bon, c'est nickel, ça fait plaisir de trouver un spot direct. Des petites toilettes, les poubelles, les tables. Ah là là, on est dans le sable! Stylé!
Ah ouais! Oh mais je vais me mettre là! En vrai incroyable! Là, si on fait ça, on recule ici, on se pose là. Le spot parfait les gars! Bah vous savez quoi? Si on n'est pas emmerdé, bah comme d'hab, le lien des coordonnées dans la description et en attendant, bah on va aller se poser. Je me suis pris une souche, je l'ai pas vue celle-là. Putain, les cons. Je me suis dit merde, c'est qu'est-ce qu'on a accroché, y a rien. Bah si, y a une souche. Putain, le connard. Par contre, j'ai été con. Là, c'est stylé. Mais là, on a vu sur la forêt ce matin, demain, mais c'est trop tentant. Beaucoup trop tentant. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bon, voilà, c'est un peu précaire, mais ça gâche un peu la vue de ce côté-là. On est encore ce côté-là, donc ça va. Mais au moins, on n'a plus de vent. On va pouvoir taper le petit feu. J'ai préparé du bois ici. Du coup, bah voilà, on va être bien pour la soirée.
Midi 30, vas-y, avec la lumière, je me trompe. Il est actuellement minuit 30, donc 00:30. Et voici comment il fait jour. Ouais. Et puis, il y a pas mal de vent. Du coup, comme la tente a bougé, j'ai fait ça. On verra. J'ai mis ça pour que ça fasse une petite couche, un petit kawaii à la tente. Comme ça, ça va peut-être permettre à ce qu'elle soit un peu plus robuste, que ça casse un peu le vent. Et puis en même temps, le soleil est censé se coucher, comme ils disent, à 22h49 et se lever à 3h du mat. Les gars, on n'a pas le même coucher de soleil. Il est minuit 30, pour moi le soleil n'est pas couché là. Donc voilà, il y a très peu de nuit, voire une nuit inexistante. Bah, vous attendez pas à voir des nuits noires. Ou mettez, vous savez, les petits masques pour dormir. Je vais peut-être aller voir pour en acheter quand même. Je ne voyais pas à quoi ça servait quand je voyais les gens faire ça, mais je pense que ça sera utile pour ici. Bon bah on est le lendemain et ça marche du tonnerre, c'est juste incroyable. Dès que je l'ai mis, non seulement bah il y avait moins de jours et en plus de ça, ça a carrément coupé du vent. Mais quand je vous dis carrément coupé du vent, c'était incroyable. Genre vous voyez ici, c'est pas couvert, juste au niveau de la porte, ça faisait un peu ça. Par contre là, tout là, comme la vache elle est vraiment dure, bah incroyable, c'était trop bien. Ça marche super bien. Comme je vous dis, la bâche elle coûte 30 balles et elle sauve des nuits. Surtout en Suède. Donc voilà. Si t'as besoin, il te faut une bâche en plus pour le vent. Oui et non, t'as pas besoin de la prendre en plus. Cette bâche là, c'est ni plus ni moins que la bâche que je me sers pour. Quand je replie la tente pour rouler, pour que ça soit bien fermé et tout ça, bien étanche quand on roule, c'est ni plus ni moins que la bâche de fermeture. Donc au final, c'est de se resservir des choses qu'on a déjà. Petite astuce, nickel, qui marche bien. Donc voilà, je te la partage et puis sur ce, à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.